Shalom, shalom, ma bien-aimée sœur Grâce, que la paix, l'amour, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ te soit multipliée, ainsi que à mon bien-aimé frère, le frère Junior, et à toute la famille. Donc, c'est le frère Serge, et je viens comme ça faire rendre un témoignage. Que le Père m'a aidé à bien placer les choses. En fait, depuis que les hostilités ont commencé avec les nuits des guerres et tout, bon, et du fait que je n'ai pas pu prendre les choses vraiment au même rythme que vous, je vais à mon rythme à moi. Sans sauter un enseignement, j'essaye de suivre et d'avancer. Mais par contre, en ce qui concerne les 7 jours, j'essaie de me mettre à la page. Donc, dans ce sens, c'est que, bon, connecté déjà le 23 avec les frères par rapport au forum qui a été créé, que ton règne vienne pour ceux de l'extérieur. J'ai pris part cette soirée-là, on disait la présence. Et le lendemain, j'ai écouté ce qui a été fait au niveau du Cameroun le jour 1. Et j'ai dit que vraiment je rends grâce au Seigneur. Parce que en ce 24, il s'est passé quelque chose ici là. Bon, je dois déjà dire que c'est des choses qui m'arrivent un peu de temps en temps, mais par manque d'assurance, je ne savais pas trop ce que ça voulait signifier. Je dois déjà dire qu'il m'est arrivé une fois pendant que j'ai prié ici à la maison, et que ça m'est arrivé même plusieurs fois, mais cette fois-ci là, j'étais en train de prier et étant à genoux au salon, j'ai ressenti comme des crampes au niveau du ventre et à un moment donné ça a commencé à tourner, 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 tourner. Et c'est comme ça que j'ai essayé de faire ce témoignage dans notre groupe. Et notre bien-aimé, le frère Étienne, notre conducteur, qui dans son amour a pris le temps de me rappeler. Et on en a parlé un peu parce que ce jour-là, je me posais la question de savoir, je ne sais pas. Est-ce que c'est le Seigneur ou est-ce que je suis encore possédé, machin-tu? Mais le frère m'a encouragé pour faire comprendre que ce sont des manifestations, que les diables nous font parfois croire qu'on est encore sous son emprise alors que c'est des manifestations du Saint-Esprit. Donc il m'a encouragé dans ce sens-là à persévérer et à rechercher justement cette présence-là. Donc c'est comme ça que le 24 alors, je rentre du boulot, je me dis à partir des 16h, il faut que je sois connecté déjà pour suivre ce qui a été fait au Cameroun. Comme ça, le temps qu'on se... On se... Parce que nous avons décidé de se rassembler à partir de 21h pour rechercher justement cette présence-là. Donc, par la grâce de Dieu, j'ai écouté ce qui a été fait ce jour-là, je crois, pendant 4 heures de temps. Bien écouter les témoignages des bien-aimés, témoignages du frère Jérémy et tous les autres. J'ai vraiment été motivé, encouragé, soutenu, galvanisé. Donc, la veille déjà, pendant le 23, quand j'y suivais, on était dans le groupe Que ton règne vienne. J'avais négligé un peu la famille quant à la prière du soir, les oraisons, ce qui fait que la sœur avait prié avec les enfants dans la chambre parce que je leur avais demandé, j'avais besoin de mon intimité, j'étais seul au salon. Mais le 24, pendant que j'écoutais le jour 1 de la présence du Seigneur, après avoir écouté peut-être pendant 3 heures quelque chose, bon, la sœur s'est retirée encore dans la chambre avec les enfants pour pouvoir prier. Mais j'ai ressenti comme le Seigneur me disait, tu ne dois pas négliger ta famille. Donc j'ai mis pause et je suis allé les rejoindre.
Et pendant qu'on a commencé à chanter, nous sommes allés, j'ai demandé qu'on aille plutôt au salon, nous sommes allés là, on a pu prier. C'est là-bas que nous avons prié et nous sommes exhortés. Je me suis senti poussé à exhorter ma famille justement dans sa présence, de rechercher sa présence après avoir écouté justement ce qui a été fait au niveau du Cameroun et tout. J'étais vraiment inspiré et on s'était sorti là-dessus. Et pendant qu'on s'exhortait, l'exhortation s'est tournée plutôt en une sorte de prière. Pendant que nous, on priait, on priait, on priait, on priait, on priait. Et à un moment donné, j'ai ressenti encore cette chose qui m'a pris. Et puisque j'ai prié étant debout et non pas à genoux comme d'habitude, je me suis senti emporté par cette chose-là encore qui m'a fait sauter. Je suis plus un petit enfant, mais je me suis retrouvé en train de sauter comme un cabri. Un cabri, je sautais. Et ce n'est pas que je programmais la chose, mais je sens seulement comment je suis soulevé. Je saute comme un cabri, je saute comme un cabri. Et à moi de dire, merci Seigneur pour ta présence. Merci Seigneur pour ta présence. Merci Seigneur pour ta présence. Et ça a duré comme ça un bon moment, puis ça m'a relâché. Et merci Seigneur. On a pris, on a clôturé. Je dois dire que la veille, pendant que on cherchait la présence aussi avec dans le groupe que ton règne vienne, j'ai encore été saisi par cet esprit-là. Et puisque j'étais assis, c'est mes pieds qui ont tremblé pendant un bon bout de temps. Même après que j'ai arrêté de prier, les pieds continuent toujours à trembler, trembler, trembler. Ça aussi, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois. Donc, c'est comme ça que, après que j'ai fini avec la famille, j'ai continué à suivre de jour 1 jusqu'à la fin. Et j'ai fait ma prière, je me suis couché. Et gloire à Dieu, parce que dans ma couche, c'était ça a toujours quitté dans ma tête. J'ai sa présence. J'ai sa présence. Le matin, comme d'habitude, je me réveille à 4 heures. Je me suis réveillé pour prier. Et puisque dans l'enseignement du frère disait, s'il y a une chose que un chrétien peut désirer vraiment dans sa vie, dans ses prières, c'est la présence. Je demandais la présence du Seigneur. Donc c'était ça l'objet de ma prière le matin. C'était beaucoup plus focalisé là-dessus. Et pendant que j'ai demandé encore ces choses-là, et j'ai demandé, j'ai remercié le Seigneur. Je me suis senti encore cette position à genoux, comme je disais, le ventre qui a encore commencé à tourner et à comme des crampes, quoi. Après cette vague est passée, ça s'est calmé. J'ai continué la prière, j'ai continué. Et maintenant, je tente seulement de remercier le Seigneur pour tous ceux qui ont bu au niveau du Cameroun, au niveau de Bafoussam, au niveau de Douala. Je remercie le Seigneur, je remercie le Seigneur pour Donatien, je remercie le Seigneur pour le frère Jérémy. Pendant que je l'ai remercié seulement, j'ai dit bien, j'ai remercié le Seigneur pour sa visitation de ses frères. J'ai encore été saisi par la même chose. Cette fois-ci, c'était de manière vraiment forte. J'ai ressenti encore mon ventre, comment, en tout cas les crampes qui m'ont, c'est encore boulonné, ça tourne, ça me tourne, ça tourne, ça tourne, ça tourne, ça tourne. Pendant que je remercie, merci pour Donatien, merci pour le frère Jérémy, merci pour tous ceux qui ont bu, je ressens comment je suis encore bien secoué, 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 secoué. Il y avait les crampes qui me prennent au niveau du ventre, les crampes qui me prennent, et puis à un moment donné, avant même que. Pendant que je remerciais, ça a d'abord commencé par les pieds. Mes pieds, j'étais à genoux, mais les deux pieds en bas, comme ça là, qui tremblaient, 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 tremblaient comme ça. Après, ça a pris au niveau du ventre, comme j'ai dit là. M'a pris au niveau du ventre, on dirait des crampes qui m'ont pris. Puis ça bouillonne, ça tourne, ça tourne, ça tourne, ça tourne. Pendant que je remerciais, je disais merci pour le frère Jérémy, merci pour le frère Donatien, merci pour tous ceux qui ont bu. Ah, pas vous, ça m'a doigt là. Quand j'ai dit pas vous, ça m'a doigt là, j'ai ressenti encore comment j'étais secoué. Wow. Après, ça s'est calmé. J'ai rendu grâce au Seigneur, j'ai rendu gloire au Seigneur. Et donc, je fais ce témoignage
Oh, dis merci au Seigneur, parce que le fait que j'ai remercié ce Guillaume Bu et que j'ai été secoué, je me suis dit, waouh, Seigneur, donc ces choses-là qui m'arrivent souvent, c'est toi, c'est toi. Je rends grâce au Seigneur. Merci. Que le Seigneur vous bénisse. Portez-vous bien. Shalom.